Et boum, nous voilà revenus, les petits amis, sur toujours les épopées de Claire Redfield dans les égouts de Raccoon City. On est de se faire défoncer par un gros non-œil bien baveux. Parce qu'on est dans son territoire, on est dans son nid, hein, quelque part. Et boum, yeah! Boum! Petit café. Et donc on est reparti. Bien baveux, oui. Comme une omelette. Oh non. Ah oui, alors là, j'ai une pellicule. J'ai des pellicules. Il va falloir que je fasse suivre un traitement. Bon, là, c'est l'atelier. Là, ça mène vers des milliards de zombies. Là, je récupère ça. Ah, mais... Il y a un mec qui a utilisé le truc, là. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Peut-être utiliser le Uzi, hein. J'ai l'impression que le Uzi... Voilà. Ça dégage un petit peu plus. Ah, je suis pas obligé de bourrer non plus. Ah mais attends, salle de pause. Ok. J'étais en train de me dire, est-ce que c'est la salle de pause du commissariat? Mais peut-être pas. Lui, il a rien. La VHS. Ah, c'est pas une VHS, ça. On dirait plutôt une... Examiner. On dirait une cassette HI 8. Ou mini DV. Les caméras numériques de l'époque. Opération Nest Wrecker. L'enculeur de nid. Quoi? Ah oui, là, il y avait un gros monstre. Et on avait vite compris que les incendiaires, ça marchait bien. Oh putain, ils ont adapté l'animation! Ah merde! Il y a un mec là! Ils peuvent tomber? Vous avez été super rapide! Ah oui, ils peuvent tomber et ils peuvent remonter! Et salut Sirius le loup! J'ai l'impression qu'il s'est barré. Ok, donc ils peuvent se barrer à un moment donné, j'ai l'impression. Là, ça mène vers un cul-de-sac. Avec des munitions. Cette allure de marche. Je fais de la marche à pied, chers amis. Oh putain! Dégage! Putain, mais. Pas crevé, hein. Vous emmerde. Putain.
Ok, on l'a eu. Je peux aller voir par là, je crois. Et que dalle. Là, il y a des munitions. Il n'y a rien d'autre. Je vais prendre... je sais plus si je suis... Non, je suis pas empoisonné, donc je vais juste prendre ça. Faudrait que j'arrive à retrouver le coffre pour pouvoir récupérer des grenades incendiaires. La clé. Ok, et là on peut remonter. Donc avant que je redescende, là je vais aller au coffre. Récupérer ce qu'il me faut, faire une sauvegarde et essayer d'aller tuer les trucs. D'ailleurs, je sais même plus si c'est par là d'ailleurs. Si ça doit être par là. Si, c'est par là. Il y a juste à suivre les cadavres. Ok, j'ai fait une espèce de détour. Ok, là on arrive là. Oui, avec le mec qui était là, ok. Les sons, les bruitages! C'est tellement ambiançant ce jeu. La VHS! Capitaine Kirk, Patrick! Ah putain, les rats, ok, c'est les rats qui ont bouffé le truc et qui se sont transformés en monstres. D'accord. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, je parle à haute voix, comme un streamer. Ça, je dépose. Ça, je vais déposer aussi. Je vais prendre... Normalement, je pense que j'ai des grenades. Putain, j'ai pas de grenades. Ok, là, j'ai des grenades. Mais bon, ces grenades acides, c'est un peu nul. Ah ouais, j'ai pas de grenade incendiaire. Je vous laisse, bonne soirée. Ça marche, Nicolas. Bonne soirée à toi, ma poule. Et passe un bon week-end. Bon, là, j'ai de la vie qui devrait suffire, je pense. Okay. Putain, les munitions de Uzi sont tombées à une vitesse.
La vache. La sauvegarde. Ok, et on va essayer de retourner buter les monstres. Évidemment. Ça c'est bien. Économie de munitions. Non, c'est par là. Et là, on descend ici, là. Ok, cet endroit est... Hop. Ils sont partout. Je le vois, il est là. Je vais éviter qu'il me chope. Voilà. T'as de l'acide dans l'œil là, hein? C'est pas plaisir ça, hein? Ça brûle, hein? Salaud. Ok. Il te recharge. T'as pas le temps. Mais... Bah... Ça allait pas crever. Ah putain, c'est trop chiant ça. Je pense que c'est good. Putain, alors ces munitions-là, elles font extrêmement mal. Il y a des trucs là. Oui. Munitions de Uzi. Ok, c'est tout ce qu'il y avait à récupérer. Vite! T'as pas le temps! On va pas le buter celui-là. S'il y a rien. Qu'est-ce que nous avons là? Un pot de fleurs, vite tout de suite dans la poche. Ah ok, faut mettre le king. Je ne l'ai pas encore celui-là. Et ça, c'est la reine. Oh, mais il a l'air d'avoir un putain de flingue, là. Oh. C'est bien, ça.
Et on va récupérer la pièce. Ok. Oh là là, il y a énigme là, il y a une grosse énigme. Apparemment. Encore un pot de fleurs. Et les trucs là. Ouais, que dalle. Ah mais non mais ok, ça ouvre ici, ok, ok, ok. Faut mettre le king aussi. Oui, il y a quelqu'un ? L'ambiance est tellement cool. Ok, là on a le king. Évidemment. Là on a the queen. Attends, du coup, je crois que je peux passer là. Non, je peux pas. Ah mais non, mais attends, mais je suis con, en fait, pour récupérer le flingue, faut que je laisse la reine là. Utiliser le king ici. Et là, on a The Mega Blaster, le fusil électrique. Cette arme plante des broches métalliques dans votre cible et vous permet de lui infliger des décharges électriques aussi longtemps que vous pointez l'arme en maintenant Nia. Attention, si vous envoyez trop de courant électrique à travers les câbles de l'arme, ils se couperont après la dernière décharge. D'accord. Tellement stylé. Non mais il y a un flingue qui disparaît, ça ne marche pas. Là, ils ont chié dans l'école. Ok, là ça marche quand on a un des fusils à la main, mais dès qu'on prend un pistolet, voilà, il y a un fusil qui disparaît, voilà. Game design. Voilà, là ça vient de perdre un point. Hein. Moi le jeu, pour l'instant, c'est du 20 sur 20, là, il est passé à 19. Et salut Roger Rabat, salut ma poule, bien ou bien. Ok, on va se faire un petit peu de place. Comme ceci. Et salut Lord Valkarion. Ultra pépouse au Calmito. Et pas au Camelto, sans être sous un palmito. Ok. Il faut que j'utilise le king pour aller récupérer la reine. Parce que je crois que le king, normalement, on en a pas besoin.
Okay. Est-ce que j'ai oublié un truc ou est-ce que c'est parce que j'ai... Ah bah non, mais je peux récupérer le roi maintenant en fait. Je peux tout avoir. Voilà. Voilà. Je revienne. Utiliser les prises pour ouvrir la porte. Ok. L'objectif est accompli. Est-ce que le gros monstre est toujours là? Oui, hein. J'ai l'impression qu'il est calmé. Voilà, mais on va quand même marcher, marcher vite. Oh, Kazoo. Hop là, évidemment. Aïe. Trop près. Attends, mais... Ok, il y avait un chemin par là. Et qui me permet de revenir plus vite. Ok. Mais qui me permet de me prendre des dégâts aussi. Et ça, c'est bien. Ah, c'est pas possible, encore ? Merde, loupé. Merde, s'il vous plaît, il fallait que je garde. Est-ce qu'il prend cher ou pas là? Je prends pas. Est-ce que je peux passer? Oui. En plus, ces gros trucs, ils t'empoisonnent, je crois. Oui, c'est vrai, ouais. J'ai vu ça. Je suis mort deux fois, là. Ok, donc tout ça, c'est fait. Évidemment. Évidemment qu'il allait se réveiller. Tu croyais quoi, Claire? Au moins, il a fait de la lumière. Conan 3 de Bretagne. Salut, ma poule. Bien ou bien? Dans les speedruns, les mecs baitent le gros monstre un coup de gun où ils tracent avec un petit pas de côté. D'accord. Du coup, ça je vais déposer, ça aussi. Je vais prendre ça, ça, ça. Ok. Ça, je vais déposer, je sais pas si je vais en avoir besoin. J'ai l'impression que c'est pas fou le truc électrique. C'est une super technique, des fois tu tires juste une balle dans la jambe d'un zombie et ça le stun assez longtemps pour que tu le passes. Oui, mais là le monstre, j'ai pas la technique. Alors qu'est-ce qu'il disait? Il me semble que la tour et le cavalier sont sur le même mur et que le fou et la reine ne sont pas côte à côte. La reine et la tour étaient l'une en face de l'autre. Mais j'ai pas le cavalier.
Si, je l'ai. Cavalier Valar. Le pion, il est bien placé. Il me semble que la tour et le cavalier sont sur le même mur et que le fou et la reine ne sont pas côte à côte. La reine et la tour étaient l'une en face de l'autre. Tour ici. Reine. Ouais, qu'est-ce qu'il disait ? La tour et le cavalier sont sur le même côté du mur. Ah non, mais ça marche pas. J'ai inversé. Là, c'est tour. Et là, c'est reine. Et ils ont dit que la reine et le fou ne sont pas côte à côte. Le fou et la reine ne sont pas côte à côte. Le pion nous emmerde. Cavalier tour. Et fou et reine ne peuvent pas être côte à côte. Ça veut dire que ici c'est le roi. Et que ici c'est le fou. Ok. Ok, chérie. Me voilà. La sauvegarde. Ah oui, avant la sauvegarde, je vais prendre de la vie. Ah mais attends, mais c'est qu'il n'y a que deux poudres, là. Ça ne va pas, ça. Là, on est bien. Attends, mais je suis fou. J'ai oublié des munitions dans cette pièce. T'es au 3/4 environ, non? Ah, je sais pas. Aucune idée. Sérieux? Je suis déjà aux 3/4 du jeu? Moitié plutôt. Ok, tu me rassures. Franchement, tu me rassures. C'est sûr, je l'aurais trouvé extrêmement court. Encore un peu de fleurs. C'est fou, tous ces botanistes qui se transforment en zombies. Là, il y a une décharge, salle d'alimentation principale. Le commissariat égout, ça prend un moment. D'accord. Du coup, toi qui du coup a l'air de bien connaître, est-ce que tu peux me rassurer sur le fait que là, après les égouts, on va y revenir au commissariat? Je pense que oui. Parce que c'est dans les égouts qu'on récupère la manivelle. Je ne peux rien te dire.
Ah mais si, je te le demande. C'est pas comme si je te le demandais pas, là je te le demande. Je voudrais avoir la confirmation, s'il vous plaît. Oh là, une énigme à base de on-off, on-off. Il y a trop de combinaisons possibles, excusez-moi. C'est trop dur. À la fin, il meurt. Non ! Bon, ben, je suis plus obligé de jouer maintenant. Vu que tu m'as spoil. Juste regarder les speedruns de RE2. Donc les gars ont des routes custom. Ok. Oui, glitch dans les murs. Ouais. Tiens, demandé. Oh, encore une histoire de voltage. Oh oui. Oh, moi j'aime tout ce qui est voltage, ampère, water, 110 volts, 380. Pas de catégorie wall clip ou glitch, mais en gros... Excusez-moi, je ne remarquais que j'avais oublié de remettre ma bague. Mais en gros, Resident Evil 2, Léon A, il se speedrun en 58 minutes, je crois. D'accord. J'ai la phobie de perdre ma bague. Hein. Ok, donc ça on l'a fait, je sais pas pourquoi. Ah. Ah merde, elle prend feu. Vite, un extinguisher. Ah mais je vois rien là. Mais je vois que dalle. Elle cuit. Elle est en train de cuire. Ah non mais là je suis cuite là. Oui, je survis. Hop là, ça va mieux. La drogue. J'aurais dû me douter que tu reviendrais. Oui, parle-lui, il comprend. Il comprend le français. On est à Raccoon City. Raccoonville. Ratonville. Ville des ratons. Je sais même pas s'il faut le buter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Aïe. Il s'est passé quoi là? Je fais quoi maintenant? Faut que j'aille où? Faut que je... Merde, attends, mais je dois faire quoi là? Faut appuyer sur l'autre. J'ai une petite surprise pour toi. Tu me fais de l'œil. Ah. J'ai une petite surprise pour toi. Je vais me tuer moi-même. Comme ça, c'est moi qui ai gagné. T'as perdu. Ok, je pense qu'il faut appuyer peut-être tout de suite.
même rien senti. Tu fais zéro dégâts, mec. Vite, mais reviens, toi, reviens, bouton. Comment il a fait ça? Aïe, ah putain, j'ai perdu un bout, là. Mais t'as pas le temps de recharger. Recharger, c'est mourir, voyons. C'est quoi le truc en bas à droite, là? Enfin, là, vous voyez pas sur l'écran, mais... Ah ben voilà, là il est stun. Faut le refaire. Ouh la vache, ça coupe. Recharge, mais vite. Ah merde, j'ai plus que 9 balles. Oui. Ok, même joueur joue encore. C'est toi qui as raison. Qu'est-ce que tu fais? En fait, derrière moi... Merde, là on voit plus. Chérie, ça va trancher. C'est très bien fait. Ça semble être une très bonne idée, Hardcost. Les dégâts que tu lui fais aident avec le container. Ah bon? J'ai envie de recommencer. Si t'es chaud, tu peux le faire en un cycle, je crois. Ah ouais? Elle va dégobiller. Ok, ça va, j'ai encore de la vie. Donc oui, en fait, j'ai une icône derrière mon perso, là. Espèce de bouclier. Là, il est vide, mais tout à l'heure, il était rempli de... de verre, je sais pas. Bon, là, il a disparu, maintenant. Je sais pas ce que c'était, ça. Est-ce que c'était du poison? Apparemment, il y a des munitions, là. C'est pas genre un indicateur de QTE pour te dire quand faire esquive pour les boss? Non, ça avait pas l'air d'être un QTE, ça avait l'air d'être une jauge qui était en bas à droite. Ça, c'est quand tu prends un mélange de, des trois plantes, ça donne une résistance... Ah, ok, d'accord, merci, article fraise. Merci, ma toute belle. Merci, ma douce et délicieuse, article fraise. C'était pour le boss... Non, je pense que c'est article fraise qui a raison. Je pense que c'était... que comme j'avais pris un... de la drogue, bah du coup c'était un bouclier, une protection au poison, certainement. Qui n'est pas modo d'ailleurs, tu fais bien de le dire. Bien sûr que j'ai raison. Voilà, t'es modo. J'ai toute confiance en toi. Je sais que tu es une bonne personne. GG le modo. Ah ben, je savais même pas qu'il y avait ça, le boost. Oui, c'est... C'est vrai que... Mais en plus, comme j'ai moi mon avatar, c'est juste derrière moi, donc vous le voyez pas quand c'est actif.
Ah oui, j'avais pas ouvert ça. Mais je pense que s'il y avait pas l'électricité, ça ne s'ouvrait pas, Chérie, je pense. Maman est là. Chérie, est-ce que tu m'entends? Oh. Chérie. Claire. Chérie, est-ce que ça va? De rien, article fraise. Qu'est-ce que tu fais? Je viens l'aider. On se tutoie. Chérie a reçu l'embryon. On ne peut pas la sauver. T'as la beauté des graphismes, ça. Vous êtes sa mère. Alors venez ici. Tu ne comprends pas. William est toujours en vie. Et si je ne l'arrête pas? Ça suffit, j'en ai assez entendu. Ça me donne envie de reprendre Death Stranding, parce que les animations des persos étaient quand même très cool. Hein. C'est pas loin d'ici. Maman. 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 On n'a pas le temps. Des millions de vies sont en jeu. Des milliards même. Chérie. Maman t'aime, trésor. Adieu. Putain, mais même la 3D est moins bien faite que les films en 3D. Il n'empêche que ça reste meilleur. Ça reste plus agréable à regarder. Pourquoi tu fais tout ça? Je tiens à toi. Merci, Claire. La question qui se pose à présent est jouons-nous à un film ou regardons-nous un jeu? Bonne question. Très très bonne question. Mais clairement, on joue à un jeu qui ressemble à un film. Hein. Et vous êtes en train de me regarder y jouer. Annette a dit que son labo n'était pas loin. Mais si tu réfléchis bien... Allez, allons au funiculaire, on va t'enlever tes funicules. Je joue de mon côté. Oui, mais tu joues pas à celui-là. Avec Ready Player One qui tourne sur VLC en écran splitté. Petit pas, petit pas, petit pas, je la fous dans le coffre. Ça me semble être la... Ah merde, on peut pas sauvegarder. Oh merde, vous... Enfin. Faut que j'aille où, là? Allez dans le labo. Ah oui, le funiculaire, mais oui, je viens de faire la blague à l'instant. Je sais même plus par où faut passer. Tiens bon, chérie. Oui, c'est par là. Je ne fais qu'écouter. Marc Dutroux Simulator. La maman ressemble à une actrice, mais j'arrive pas à remettre le gland. Le gland doigt dessus. Ah ouais? En tout cas, la voix, c'est. Comment elle s'appelle? La voix de Lara Croft, là? Super. Le funiculaire. Merde, comment elle s'appelle? Ah, c'est pas Carole quelque chose? Il me semble. On a mis 15 ans pour aller faire des petits pas. Véronique Jeunesse. Ah non. Ah, tu veux dire que là, l'actrice ressemblait... Non, mais c'est un casting américain, là. Ou un jeu japonais. Voilà. Accroche-toi, chérie, d'accord? Je te promets que ça va aller. Ah, putain, mais c'est vraiment comme le film avec Mia Jovovich, en fait. C'est fou, hein, que Resident Evil Apocalypse a pris énormément du 2.
Alors que Resident Evil 1 a rien pris du tout. Ah, c'est Jacqueline Mayenne. Non, elle s'appelle pas comme ça. Voix FR Lara Croft. C'est pas... C'est Françoise Cadol, voilà. Ouais, je savais qu'il y avait une sonance Carole. Tout genre. Françoise Cadol, c'est la voix de Lara Croft. Jacqueline Mayenne, ça doit être la voix de Claire Redfield, je pense, peut-être. Mais c'est une voix pas connue, c'est une voix pourrie. C'est pas connu, ça. Quand c'est pas connu, c'est pourri, c'est comme les NFT. Attends, mais il y a tout qui est rouge, là. C'est moi ou je suis une merde? Ou j'ai oublié des milliards de trucs? Regarde-moi ça! Salle de pause, j'ai pas vu, salle d'injection de l'eau, c'est quoi ça? Peut-être qu'on va... Je vais y revenir, peut-être. Cadol. Françoise Cadol. Pas Cagol. Veuillez ne pas sortir avant la destination finale. Ah, ce qui est fou, c'est qu'ils ont récupéré ça dans le 1 aussi, dans le film Resident Evil 1. Parler avec le train. Hey. Ça va? Je pense que... Ta veste est si chaude. Je pense qu'elle a un aft. Mon frère me l'a donné. Il paraît qu'elle porte chance. Je pense qu'elle a un orgelé. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Tu veux qu'on le perce? Tu plaisantes? Tu t'en sortais très bien avant que je débarque et que je t'aide. Ça te dirait de jouer avec ce fusil électrique? En attendant? J'ai quelque chose à toi. J'en veux pas. Oh, ouais, tu sais que tu es la plus belle fille pourquoi du monde. Il est joli. C'est vrai? Bien sûr. Ma mère me l'a donné. Pour mon anniversaire l'an dernier. Moi, je voulais juste qu'elle soit plus souvent à la maison. Je sais qu'on pourrait croire que ta mère s'en fiche, mais... Hey, chérie, viens. Respire. Pousse et respire. Tiens bon, d'accord. Vous êtes arrivé au bout. Ça va aller. Putain, mais c'est tellement bien fait. Allez. Et franchement, j'ai... la dernière fois, bon, il y a quelques semaines maintenant, mais... au succès déverrouillé, besoin d'une douche. Oui, j'avoue, là, ça fouette. Et en plus, j'ai pas de tampon de rechange. J'ai regardé avec ma nana à la télévision, je lui ai mis une vidéo des cutscenes sur YouTube de Resident Evil 2. Je vais te soigner. Tiens bon, chéri. Et ma nana, elle avait vraiment l'impression de regarder un film, quoi. Que ça pouvait être un bon film, en fait. Ce qui était dommage, c'est que comme les cutscenes ne se suivent pas convenablement, bah, tu finis par pas comprendre l'histoire. Mais si... Ils avaient pu faire un film de ça, de ce jeu-là, en récupérant exact à l'identique les cinématiques et juste peut-être recréer d'autres cutscenes pour connecter les cinématiques entre elles pour que ça fasse un film qui se tient. Mais putain, mais c'était génial, c'était le meilleur film adapté d'un jeu vidéo possible et imaginable. C'est vraiment dommage. Qu'ils fassent caca comme ça. J'aime pas qu'ils fassent caca, les réalisateurs et les producteurs. J'aime pas. Tiens chérie, je vais te faire un vaccin, c'est marqué T dessus. C'est pour toi, sûrement. Pour votre sécurité, veuillez attendre l'ouverture complète des portes. Il y en a combien? Oh putain, c'est un abri. Ils ont réussi à connecter l'abri 13. Bienvenue au Nest.
Agréable visite à tous. Ça serait intéressant d'ailleurs d'avoir un Fallout dans cette qualité-là. Ça serait juste génial aussi. En termes de storytelling, de design et tout ça. Fallout est ville, j'avoue. Putain, mais c'est un concept en fait. Faire un fan game de Fallout, mais avec un gameplay à la Resident Evil et un, des graphismes aussi beaux, quoi. Putain, mais je peux pas la foutre dans le coffre, là. Et la récupérer, et après la récupérer ailleurs, dans un autre point de sauvegarde. Fouiller le labo. Mais comment tu veux que je fouille les labos? Attends, est-ce que je peux la poser? Ah, je peux peut-être la poser sur un divan. Non. Ok, faut peut-être passer toutes les portes avec son bracelet. Non, ça c'est le film Main Shaft, la suite de Shaft. Allez, Nick Valentine, je te laisse les zombies. Nick? J'ai l'impression... C'est moi ou j'ai quand même l'impression que ce jeu a énormément d'inspiration des films de James Cameron, quelque part. Ça va peut-être m'en dire plus. Je trouve qu'il y a quelque chose. Hein. C'est ça. Il n'y a pas de doute. Et c'est bien. Hé, chérie. Je dois y aller. Ne bouge pas d'ici, d'accord? Je reviens vite. C'est promis. Ah, on récupère son bracelet. Nickel. Du coup, est-ce qu'on peut le porter? Un bracelet faisant office de clé électronique. Il contient une puce de niveau 1. Vous pouvez avoir votre propre vaisseau dans Star Citizen grâce à ça. Elle fait Sarah Connor entre Terminator 1 et 2. Oui, c'est vrai. Et en plus de ça, je trouve que cette séquence, par exemple, me fait beaucoup penser à Alien. Et même d'ailleurs, il y a une référence. Il y a une référence sur l'épisode précédent, quand on a vu le gros monsieur, le gros commissaire, avoir une espèce de bête qui lui sort du bide, en plein milieu. Donc si ça, c'est pas une grosse référence à Alien, je sais pas ce qu'il faut. Une grenade. Le nid, je veux dire comme dans Alien, blanc du labo. Putain, mais on est carrément dans une toute nouvelle zone, quoi. J'espère qu'à un moment donné, on pourra revenir au commissariat, quoi. Elle est retête tout le nest en raison d'un incident. Alors c'est marrant parce que dans le film Resident Evil, ils ont changé ça en Hive. Alors est-ce que c'est la version FR où ils ont renommé ça en Hive ou bien c'était aussi dans la version anglaise? Quelle idée. Véronique Genest. Ah, c'était ça ta blague. Tout le personnel du nest doit s'auto-administrer l'agent antiviral Devil. Putain. C'est qui a fait la blague tout à l'heure? Fallout Devil. C'est incroyable. You are in the flock. We just get flock. Ah oui, mais c'est vrai que toi, tu connais. Et là, le plan ressemble au vecteur temporel. Le Devil est le seul moyen d'empêcher la mutation. Et ouais, vous ne le saviez pas. Mais nous, les déviles, nous, les déviliens, on peut faire ça. On peut empêcher les mutations. C'est juste qu'on est arrivé trop tard. Et du coup, aujourd'hui, la Terre est recouverte de wokistes. Désolé. On a merdé. Si vous avez été contaminé par le virus G... Demandez le virus LGBT,
Demandez immédiatement de l'aide afin de cibler et détruire les cellules LGBT dans votre organisme. Cet email est généré automatiquement en cas d'urgence. Veuillez ne pas répondre à ce message. Il faut qu'on trouve du Devil. Est-ce que... Get woke, go broke. Alors, on ne peut pas continuer le jeu si on n'a pas trouvé... si on n'a pas trouvé Devil. Where is Devil? Is in the kitchen. Oh. Tu veux retrouver Devil, regarde sur la carte. Excusez-moi, je fais beaucoup d'allers-retours avec la carte là, mais j'essaie de comprendre un peu. Journal de la salle de repos. Toby Jackson, mes couilles. Sarah Takashi, mes fesses. Et Walt Page est devenu Elliot Page à 13h36, très exactement. Anthony White fait de la mètre bleue. Cyril Archer. Archer, putain. Je sais pas. Desmond Locke est toujours perdu sur l'île de Lost. Et Wayne Lee est la petite fille de Bruce Wayne. Ah, je ne peux pas passer, il y a un fauteuil roulant roulé qui est cassé, les roues ne roulent plus. On est baisé. Attends, je suis en quel mode là? Je suis en mode à fanfion. Ok. À fanfion ce week-end. Ok. La sauvegarde. Ouais. Je suis déjà à une heure de record, mais je pense que je vais continuer un petit peu. Je pense que je vais continuer encore une demi-heure. Parce que je voulais... Là, il est 5h30, je voulais arrêter à 6h du mat. Donc ce sera un peu moins de 4h de live. Ce sera à 3h30. Alors, brassée d'identification. Ce centre de recherche utilise une technologie de pointe afin d'assurer la sécurité des employés et des méthodes de travail efficaces. Entre guillemets, des bracelets fluo. Tu connais. Pour entrer sur le site et en sortir, et pour manipuler certains équipements, les employés doivent utiliser un bracelet fluo. Voilà. Et qui te permet d'avoir une bière gratuite. Il existe 3 niveaux d'accès. Visiteurs, employés, cadres supérieurs et chanteurs sur scène. L'authentification se fait grâce à une puce électronique située dans le bracelet. Et parce que c'est fluo. Le niveau d'accès du bracelet peut être modifié simplement en insérant une puce différente. Des bracelets visiteurs peuvent être distribués aux familles des employés. Adressez-vous à la réception pour en savoir plus. Bisous. Pourquoi ils mettent jamais bisous à la fin des messages? Zut. Soyez un peu gentleman, les développeurs. C'est une nana. Il faut lui faire les bisous. Ok, ouais, ici c'est la meuf, il faut lui trouver du dévers. Cette zone est réservée au personnel habilité. Ah mais du coup... Cette zone est réservée... Ta gueule. Ok, je reviens en arrière en fait. Pas autorisé, hein. Ok, faut que j'aille par là. Et là, il va y avoir des milliards de zombies, malheureusement. Putain, je suis en train de me dire en plus. Tiens, c'est marrant comment ils ont mis les caisses là. C'est bien pensé, effectivement.
Mais j'étais en train de me dire, putain, si Dead Rising avait été comme ça, dans cette qualité-là, quoi, ça aurait été tellement ouf. Mais tellement, en mode plus réaliste. Et moins Street Fighter 2. Ça c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit? Il y a du bruit. Il est où l'autre bruit là? J'entends quelqu'un d'autre? Je crois pas. Ah ok, d'accord. Elle se lève ou quoi? Oh! Grenade. Notre menu basé sur nos recherches biologiques. Des munitions. Répond à tous vos besoins nutritionnels. Goûtez notre sélection d'aliments bons pour la santé. C'est bon pour la santé. Des cartouches à aiguille. Où est-ce que ça va, ça? Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un autre fusil encore. C'est un snipe. Ah, mais il est là-bas. Oh la vache. Bordel de merde. Oh mec. C'est les couilles. Dans la narine. Putain, mais crève. Vache. Oh, mais dis donc, et ça a baisé ici. Excusez-moi, hein, mais moi, un boule comme ça, moi, je dis des choses. Il y en a qui se sont fait des bisous. Ramon City. Ah, il y a une échelle là-bas, ok. Et il y a Bobby Jones. J'ai l'impression que j'oublie un objet quelque part là. Je ne le vois pas. Putain, Dead Rising dans ces décors là, ça aurait pu être tellement génial. Après, Dead Rising, c'est vrai qu'il date, mais un petit remake ou un nouvel épisode en mode très réaliste comme ça. Déjà à l'époque de Dead Rising 3, ils voulaient faire un truc réaliste et au final ils sont ravisés, ils ont fait un truc nul. C'est dommage. En plus, Frank West n'a pas de face. Pourtant, il a une waist. Il porte une waist sur lui. Un couteau. Ah, oh bah c'est cool, elle a accès au frigo.
c'est un peu vénère. Merde. Ok, oh non. Il a pas l'air bien réveillé, ce zombie. Une puce électronique. Ah merde, je l'ai pas récupéré en fait. Ça devrait être. Peut-être. C'est de l'électronique, ça doit être utile pour tuer des zombies. Ah mais attends. Attends. Ça, il y a un truc chelou là. C'est quoi ça? Alors faut mettre quoi? Un bout de métal? Je comprends pas. Le bracelet. Ouais. Muf. Il y a écrit Muf. Murph. La loi de Murph. Ouais, je commence un peu à fatiguer là, les amis. Je commence à avoir les yeux qui se ferment soudainement là. Il est presque 6h, je le rappelle. Il est 5h35. Est-ce que je vais réussir à finir ce live sans tomber dans les pommes? Grenade aveuglante. Ah merde, j'ai plus de place. Fais chier, putain! Te flingue pas les yeux. elle est où ma sauvegarde? Après tu me diras, la sauvegarde elle est pas loin. Oh putain, je suis en train de me dire là, il y a le son. On entend le son de la hache sur le sol, comme dans le premier Resident Evil. Putain, mais ok, d'accord. Donc ils ont rien pris du 1 pour le film. Et ils ont tout pris du 2 en fait. Merde, mais attends, mais je suis où là? Je suis en train de me perdre. Oui, je pense que je vais en rester là. Et puis de toute façon, j'ai fait une sauvegarde. Je vois juste. Je ne peux pas revenir en arrière. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Il m'a oublié. Il meurt avec la grenade. Non. Prends juste un stun, ouais. Bon, les amis. De toute façon, j'ai la sauvegarde qui est juste à côté. Les amis. Fin de cet épisode YouTube. Merci encore d'avoir regardé. On le voit à travers les gars. On va rigoler. Juste pour, histoire de finir en beauté. Oh non. Ah, je suis en train de brûler. Je suis un peu bête. Qui veut un steak de Claire? Voilà, les amis, allez, fin de cet épisode. Merci encore d'avoir regardé. Et oula. Et on se dit à la prochaine pour la suite des épopées de Claire. Les bisous. Bye bye. Dans l'abri 13.
Enfin, la Brie 2, parce que c'est Resident Evil 2.